Yop tout le monde, c'est le Bouson, une toute nouvelle vidéo Fortnite. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous faire écouter ma musique du moment préféré. Les petits potes, dites-moi si je suis un petit fragile ou pas, parce que franchement, je mange être dans la douche, dans les chiottes, sur mon lit. Écoutez-moi ça. Ajoutez-le direct à votre playlist parce que c'est beaucoup trop bien. Alors c'est Kinvé on a maca, check it out. Non, c'est pas ça. Ça c'était à l'époque, ça, à l'ancienne. Les jeunes, vous connaissez pas ça à l'horizontale. C'est celle-là. Ok. Kinvé phénoménal. Maintenant que tu es j'assume les potes, j'assume. Quand j'écoute des musiques de merde, je vous le dis, j'assume totalement. Parce que regarde, ton pote, je suis sûr, ton pote Antoine ou ton pote Jordan, il te fait croire qu'il écoute du Rof ou du NTM ou du je sais pas quoi. Il arrive chez lui, il écoute du Céline Dion. Donc faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, faut s'assumer quoi, tout simplement. Voilà. Bref, les gars, dans cette vidéo, on va tout simplement regarder mon premier top 1 que j'ai réalisé. Parce que j'ai vu que la vidéo où je regarde ma première game, ça vous a extrêmement plu. On était à plus de 900 000 vues. Donc là, on va tout simplement regarder mon premier top 1 ensemble. Normalement, le Bouzeux, c'est quelqu'un de bien référencé sur YouTube Game. Donc si tu marques premier top 1, sans le mec le Bouzeux. Y'a qui en quatrième? Mon quatrième, ça a travaillé ça. Michou, mais Michou, de toute façon, c'est le mec, il est au-dessus. Je sais pas, YouTube, il doit sucer tout YouTube, c'est pas possible. Il est tout le temps en premier tendance jeu vidéo, tout le temps. Ah, Michou! Gotaga deuxième, et lui, Steam. Ah, lui, je connais pas. Mon premier top 1. Ok, je connais pas. Eh bah, Steam, allez, c'est cadeau. Je sais pas qui t'aime, mais juste m'abonne à ta chaîne. Allez, go. Allez, c'est parti. Premier top 1. Ok, donc j'avais déjà zioté il y a peut-être quelques temps. Oh la vache, à l'ancienne. Ok, je me rappelle. Donc il y avait marqué condensé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gars, j'étais un petit peu beauf. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de couper les moments où on se faisait chier, j'accélérais et je mettais une petite musique no copyright sound que tu trouves sur YouTube, n'importe quoi là. Mais on va pas se mentir, ça fait un peu kéké. Mais on va regarder ça ensemble. Ça va être un plaisir, les gars. Allez, go, c'est parti. Attendez, les gars, parce que maintenant. C'est mardi. Ah oui, j'étais un petit comique. J'étais un petit comique, les gars. Ok. Ok, donc ça, les gars, ce spawn là, à l'époque, j'appelais ça le vagin. J'appelle toujours le vagin. C'était mon spawn préféré avant de Dusty Depot. C'était vraiment tout début. J'allais toujours au vagin. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait un petit passage secret avec deux coffres au max. Et franchement, ça me plaisait. Donc déjà, je me rappelle de ça. Mais les gars, ce skin là, il n'existe plus. Attendez. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait pas de skin. Toi, tu pouvais pas prendre de skin. Mais attends, mais quand tu prends pas de skin, jamais t'as un perso avec un pull rouge, je crois. Hein. Ok, donc premier kill, pistolet, les balles ça passe, ça rentre. Ah, la petite musique accélérée, on connaît les bails. Attendez, mais la qualité elle pue la merde. Ok les gars, bon on va faire avec, je suis désolé. Donc là comme vous pouvez le constater, vous voyez pas, mais j'avais 381 000 abonnés, vous le voyez là. Donc c'était au début de Fortnite, vraiment au début. Et mon premier top 1, seul truc que je me rappelle, donc j'étais un Bambi, enfin un Bambi qui campait, ça c'est sûr, mais j'avais 16 heures de jeu. C'est-à-dire qu'en fait j'ai commencé Fortnite, je voulais pas jouer ni en duo, ni en squad, ni en je sais pas quoi, avec n'importe qui, je voulais faire de la solo, jusqu'à temps que je fasse mon premier top 1. Et j'avais fait au bout de 16 heures de jeu. Alors dites-moi vous en commentaire, vous avez fait au bout de combien de temps votre premier top 1 en solo? Moi c'était au bout de 16 heures de jeu. C'est-à-dire que j'avais joué 16 heures. Oui, voilà. On peut pas toujours être bon à tous les jeux. Donc là, c'est le passage secret, voilà, où j'ouvrais les coffres. Là, j'avais double potion bleue, putain, yes. Double potion bleue, voilà, je t'ai refait. Là, quand j'ai deux potions, j'ai envie de camper, les gars. Quand j'ai double potion bleue, j'ai envie de camper. Ça vous tente un campage ou pas, les gars? Putain, j'ai vraiment envie de camper, les gars. Que deux potions bleues, mon pote, ça te met vraiment bien. 200 de vie, mec, ça te met vraiment bien. Et j'ai l'impression que deux potions bleues, les gars, c'est comme si tu trouvais, je sais pas, tu trouvais Thanos en ultra légendaire. What the fuck. Mal aux yeux. Faudrait un pompe. Si j'ai un pompe là-dedans, je suis refait, les gars. Y a pas de pompe dans les coffres, mon grand. Oh putain, ouais. Snipe violet, mec. J'étais pas au courant encore à l'époque. Oui, effectivement. Ah oui, effectivement. Il reste 40 mecs, j'étais encore dans la maison, là. Ah oui. Ah oui. Si là, y a un pompe, les gars, je me masturbe. Oh, encore un snipe. Mais non, mais c'est une blague, on n'est pas besoin de les gars. Sniper. L'avantage du bleu, parce que le vert et le blanc, ça fait 32 ou 31, et le bleu, ça fait 33 ou 34. Ce qui fait qu'en 3 balles, tu one-shot 30, tu one-shot 100 points de vie. Je suis vraiment là jusqu'au bout, j'ai pas de race, quoi. J'avais vraiment pas de race. Je retourne dans le vagin, parce qu'il y avait la zone. En squad à Fortnite avec des abonnés, je sais pas. Ouah, non, je suis mort, les gars. Je t'ai vu. Oui, là, on me tire dessus. Il était où? Oh, attention.
Après, il faut savoir que les gars, désolé que je me pose assez souvent, mais il faut savoir qu'à l'époque, les gars, les adversaires contre qui tu tombais, ils étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui. À l'époque, le niveau était vraiment bas. Donc, si j'avais le niveau que j'ai là maintenant, à l'époque, je serais le dieu. Je serais un dieu. Je serais un dieu. Bon, attention à la construction. Ah, déjà, je savais un petit peu construire déjà. On dirait TK maintenant. Sauf que moi, j'avais pas de shoot et lui, TK, il a du shoot. Ok, la grenade. La grenade du joueur français. Où est-il? Oh, dommage. Ah, je touche pas. Ah non, ça fait 35. Oh, la tête. Elle est belle. Les gars, What? Attends, je me rappelais plus de ça. Attends. J'avais une aire bleue, j'ai mis du 88 dans la tête. What? Mais c'était méga cheat. 35. Oh, la tête. Ah oui. Je campais toujours dans les maisons. Vous savez les petites maisonnettes en pierre là, qu'il y a souvent, comme il y a à côté du camion vers Dusty Depot là. Je passais ma vie là-dedans, et un mec qui m'avait appris une technique, je sais pas si sur cette vidéo là, mais on va voir. Va sur l'armoire. On peut aller sur... Voilà, c'est là. Voilà. Donc quand oui. T'as les maisons comme ça, t'avais toujours une armoire ici placée là. T'attendais dessus avec un pompe. T'attendais que les mecs rentrent. Tu mettais un petit piège, un petit truc. Mais là, j'étais pas encore assez intelligent pour savoir que fallait faire ça. Tu mettais une petite arme bien ou une petite potion. Le mec il rentrait, bam. Ok Google, raconte-nous une blague. Vous voulez une blague? J'en ai une excellente pour vous. Que dit un fantôme qui en rencontre un autre? Ah, toi aussi, tu es dans le beau drap? C'est nul. Attends, parce que là, faut qu'on m'explique pourquoi je tire dans la tête. Attends, alors pour eux, ça, c'est un tir dans la tête pour Fortnite. Je tire dans les seins. Et 124. Ah, quand tu fais ça au bon chasseur alors que tu tires là, t'es content. Je pense que t'es content. Oh, je suis un fils de pute. Ouais. Plus que 7. Ok, là, j'ai pas la zone, je décide de partir. Ce que je vois. Donc là, il y a l'airdrop juste là. L'airdrop là, ouais. Oh, il y a un mec là. Oh, il se cache dans le buisson aussi, lui. Oh la vache. Là, j'étais trop content là. Il restait 4 mecs en tout. Enfin, on était 5 en tout. Il restait 4 mecs contre moi. Et je ramasse même pas son loot. Je m'en bats les couilles. Oh, vous vous rappelez des vieux pièges là à l'époque? Oh oui. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui. J'entendais un mec qui me snipait. On sent que j'étais fébrile. Hein. J'étais pas serein. Il est plus dans la zone là. La pression monte. Petit timelapse. Oh, là je sens un mec juste là à côté. Et t'es con quoi? Mais regarde-le, il est en train de tirer juste à côté là. Il est là. Est-ce que je le tire avec... Dommage. Oh, le lot il savait pas construire, mais à l'époque il y avait pas beaucoup de gens qui savaient construire, hein, je vous jure c'est vrai. Voilà. On a un V1, mon premier 1v1 de toute ma vie. J'ai trop le cœur qui bat trop vite les gars. Le joueur français de Rennes, très exactement. Ok. Oh la vache. Oh la vache, autant que je vais mettre des escaliers, mon gars. Oh la vache. Je pensais pas que j'étais aussi pourri quand même. Regarde, qu'est-ce que je fais? Il est en haut. Mais tu fais ça maintenant dans les games de maintenant. T'es mort. Oh, il est là. Oh, il s'est pas construit non plus. Oh, il s'est barré. Yeah, putain, yes. C'était la joie de mon premier top 1, voilà. Mais je pense que, bah regardez TK, quand il a fait son premier top 1, mon gars, la réaction elle est sur tous les sites Facebook, tous les sites Instagram, tous les sites Twitter, de tout ce que tu veux. Donc la réaction du premier top 1, que ce soit de n'importe qui, forcément elle est un peu épique. Donc voilà les petits potes, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. La chaîne secondaire est en description. Et puis moi je vous dis bien évidemment bon week-end et 1, 2, 3, bisous.